d'Ivoire. Car à l'heure actuelle, il n'y a pas un prophète sur la terre. Parce que la Bible a prophétisé le nombre de prophètes qui devaient venir. Et nous savons très bien, reste combien. Et le dernier qui viendra, qu'est-ce qu'il doit prêcher? Alléluia. Parce qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, il a été annoncé par le prophète Esaïe. Et lorsqu'il devait venir, le travail qu'il doit faire a été annoncé. Alléluia. Jean-Baptiste a été annoncé par le prophète Esaïe. Et l'ordre de mission, la fin des routes de Jean-Baptiste, a été prédéterminée par la prophétie avant sa naissance. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des prophètes partout. On ne sait pas quel est leur message. Ils sont prophètes de qui? Alléluia. Pour que les gens soient encore surexcités dans ce qu'ils veulent faire. Un pasteur qui dit, un prophète qui dit qu'un homme doit doter la femme, il doit aller la mairie avec elle. Avant de la déshabiller, cet homme est un négociant. Alléluia. Parce que dans la Bible là, il y a des choses que les gens se sont levés pour aller faire. Sans l'ordre de Dieu. Mais le commandement de Dieu portant sur la relation entre l'homme et la femme. L'homme doit aller payer la dot lorsqu'il déshabille la femme et qu'il constate que la chose est encore scellée. Alléluia. S'il voit que c'est un appareil deuxième main. Alléluia. Alléluia. Si l'homme a constaté que c'est un appareil deuxième main, on rentre dans les négociations. Il n'y a plus de loi pratique à cela. Mais quand c'est scellé que c'est toi qui décèles ça, la loi de Dieu te donne à la prendre pour femme, à aller la doter. Mais ce qui a été déjà utilisé par X ou Y, alors que toi tu chausses 42, s'il y a un 49 qui a déjà chaussé ça, mon frère, Dieu ne te condamne pas. Qu'il est encore jour et que la nuit n'est pas encore tombée. Alléluia. Si un homme soi-disant de Dieu ou un prophète est capable de nous prouver le contraire, nous l'attendons tout à l'heure. J'ai entendu tout à l'heure un nom disant que ce serait ce monsieur qui serait le prophète que le monde attend. C'est un gynécologue. C'est un sexologue. Il n'a jamais été un prophète. Kakou Philippe est le plus, c'est-à-dire la plus grande star de faux prophètes. C'est vrai. Parce que dans le faux aussi, il y a les meilleurs. Donc il est le meilleur faux prophète en Côte d'Ivoire. Le diable lui-même, là, quand il voit ce type, il dit hein, mon petit, je t'ai engendré, mais vraiment, tu es fort que moi. Tu me pâtes. Cher ami, où tu es là actuellement là? La seule chose que Dieu te demande là, c'est de croire d'abord en Jésus-Christ. Parce que si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ pour être sauvé, l'enlèvement là, en quoi ça te concerne? L'enlèvement, c'est pour ceux qui croient en Jésus et qui ont été baptisés en son nom de Jésus-Christ. Et en qui le Christ habite. Maintenant, c'est ceux-là qui attendent le Seigneur Jésus-Christ pour venir les enlever. C'est ça. Mais toi, tu n'es pas encore chrétien. On va te prêcher l'enlèvement là, ça va te donner quoi? Il faut croire d'abord à l'évangile. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et pour le salut de ton âme. Ah. Après cela, nous verrons comment t'enseigner ces choses pour que tu sois situé. Sinon, Kakou Philippe est un faux prophète. C'est ça. Quelqu'un qui a reçu son appel de la bouche d'un animal. Ah. Il est le ministre spirituel des animaux. C'est pas, lui, il devait être. Il a mis des ressources à l'unétique. Lui, il devait être aux eaux même. Voici quelqu'un qui dit que si ta femme s'est accouchée avec une fille, avant qu'elle ne vienne prier dans son assemblée, tu dois l'amener. Lui, il doit vérifier d'abord pour voir si elle n'est pas enceinte.
On ne sait pas avec quel mécanisme il va aller la vérifier. C'est un sorcier. S'il y a les adeptes de Kakou Philippe ici, je vous appelle. Venez me montrer comment est-ce que Kakou Philippe s'est arrangé pour être prophète. C'est un faux prophète. Alléluia. Alors, question. Au suivant. Monsieur Zia Olivier. Zia. Volume. Je voulais te demander directement. Oh frère, tout était où depuis très longtemps. Volume. Maintenant, et puis maintenant, on peut voir si c'est. On était où depuis très longtemps, puis c'est maintenant, on nous voit. Sinon, que le problème n'est pas ce que je suis, mais c'est le temps que j'ai mis avant de venir. C'est Dieu qui décide tout. Ecclésiastes chapitre 3, le verset 3. Ecclésiastes 3, 3. Oui. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ça dit, c'est le temps que Dieu a prévu pour que je sois là. C'est ça qui est arrivé. Sinon, avant ça, là où j'étais là, je gérais Makio, j'étais Djanduo, j'étais Soulao. C'est pas ça qui est important. Mais qu'est-ce que je fais maintenant pour que les gens soient sauvés? Est-ce que ce que je prêche là est réellement public? Voici la question de fond. Sinon, si moi je te demande, ou bien on doit demander à tous, vous étiez où avant de venir ici? Tu penses qu'on va quitter là? Yes! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Un pasteur qui dit que la polygamie est un péché, oui, c'est un inconscient. C'est ça. La polygamie est une bonne chose. Amen. Un homme qui a plusieurs femmes, il ne pêche pas. Je veux savoir, la plupart des autres snaps, il y a des choses. Tu dis quoi, la plupart des autres gars ont fait quoi? Donc, où tu es venu là? Quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, ton âme n'est plus portée à ce passage, mais c'est Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique afin que quiconque a achevé de Jésus, ou bien qu'il se coiffe comme ça, soit sauvé. C'est ça maintenant ton problème. Quand vous n'êtes pas toujours obligé d'être opposé à nous, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'opposition. Rejoins la révolution chrétienne. Amen. Alors, au suivant. Alors, qui maintenant prend la parole parmi les trois? Les trois. Ok, je vais être sûr. Comme c'est un qui a soulevé sa main, les deux, ils n'ont qu'à rejoindre la Zarène. Si c'est affaire de lecture, voilà, ils n'ont qu'à se mettre derrière lui. Et que leur bouche n'intervienne pas dans notre affaire. C'est ça. Voilà. C'est clair. Alléluia. Il est venu pour le débat, il est là, et qu'on commence le débat. Alléluia. Avant mon entrée, j'ai entendu le pasteur Gédéon dire qu'il faut d'abord déshabiller une femme avant d'aller payer la dot. C'est ça. Je vous invite à la parole de Dieu. Amen. Et le texte sur lequel j'ai l'habitude de s'appuyer, c'est Exode chapitre 22 et le verset 16. Ouvrons les Écritures. Exode chapitre 22 et le verset 16. Exode 22, le verset 16, il est dit, écoutez-moi bien, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder,
il paiera en argent la valeur de la dot des vierges, c'est-à-dire en compensation. Lorsque vous remontez pour mieux cerner un verset, il est important pour tout véritable enfant de Dieu, pour ne même pas dire tout serviteur de Dieu, de commencer à lire les versets qui viennent avant et les versets qui suivent pour pouvoir cerner le contexte. Quand vous remontez le premier verset, il est dit en sous-titre, loi de mœurs et de propriété. Le verset 1 commence à dire, si un homme dérobe un bœuf, il devra restituer 7 bœufs. Si un homme fait ceci, voilà ce qu'il devra faire. Mesdames et messieurs, ici, c'est au conditionnel. C'est des mises en garde d'abord. Comme on vous dit, le vol est un délit. L'adultère est un délit. Le viol est un délit. Mais on ne te dit pas d'aller violer. C'est déjà prévu par le livre de code pénal ivoirien qui est prévu et sanctionné d'avance. Alors, Dieu sait que, en tant qu'être humain, il peut avoir des écarts. Donc, il prévoit des mises en garde si un homme séduit. La preuve, nous irons encore dans Deutéronome chapitre 22. Vous allez voir que celui qui couche avec une femme est une abomination. Celui qui parie une femme, et si cette femme n'est pas vierge, alors la famille de la femme devra lui apporter quoi? Une compensation en termes de dommages. Prenons Deutéronome chapitre 22. Il y a deux gars qui sont. Ils ont une grosse Bible, ils n'ont qu'à ouvrir ça. Mais ce sont ces lecteurs, ils ont deux grosses Bibles là, c'est pourquoi. Je lis moi-même. Deutéronome chapitre 22. Le verset 13, il est dit, si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, Dieu dit, si un homme qui a pris une femme et qui est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant, j'ai pris cette femme, mais je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors cet homme va trouver, il va quoi? J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de la virginité de cette femme et apporteront devant les anciens. Mesdames et messieurs, ici je dis, si quelqu'un marie une femme et qu'il constate que cette femme n'était pas vierge, après le mariage, il ira porter plainte contre la famille. Et le père et la mère de la fille aussi vont s'élever pour prendre la preuve de la virginité de leur fille. De vous à moi, même dans nos coutumes ici, quand on te présente une femme que tu maries d'abord, on met ce qu'on appelle le pain blanc le premier jour parce que c'est considéré que après la dot, il y a l'acte sexuel qui accompagne de manière légale. La Bible dit ici, le père et la mère présenteront le signe de la virginité. Mais si tu as couché avec la femme d'abord, avant de payer la dot, le père était là pour constater le signe, le sang? Non. Et la Bible dit, au cas où que effectivement cette fille n'était pas vierge, on devra la lapider. Je vous demande de montrer un seul test de mon Algérien où quelqu'un est parti déshabiller une femme vierge et après il allait l'épouser. Nous continuons. Matthieu chapitre 1, le verset 24 au verset 25. La Bible déclare, quand l'ange est apparu à Marie, il a dit qu'elle était une vierge fiancée. Et l'ange dira, tu, le Saint-Esprit te saisira et tu enfanteras. Luc chapitre 1, le verset 26 au verset 34. Le verset 34 dit, Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Oh, la Bible dit, elle est fiancée. Une femme qui est fiancée, elle vit avec un fiancé et elle dit à l'ange, je ne connais pas d'homme. Comment cela arrivera? Luc chapitre 1, le verset 34. Dans la loi de Dieu en Israël, une femme qui se marie pour lui, sans être Marie vivait vierge, avec Joseph. Impossible d'une condamnation à mort par lapidation. Je vous lis le texte. Deutéronome chapitre 22, le verset 13 au verset 21. On dit si elle s'est mariée, qu'elle n'est pas trouvée vierge, on devra la lapider. S'il faut coucher la femme pour la marier, pourquoi Marie dit à l'ange, je ne connais pas d'homme, alors quand vient le fiancé? C'est pas fini.
S'il vous plaît. Genèse chapitre 9, le verset 14 au verset 28, la Bible dit, lorsque le patriarche Jacob est arrivé sur son beau-père là-bas, Jacob a vu l'une des filles de son oncle en même temps qu'est venu son futur beau-père là-bas. Et il dira là-bas, j'aime ta fille Rachel, je la veux pour femme. Mais ça, ce qui n'a pas de tâche, le beau-père de Jacob, qui est son oncle là-bas, lui dit, bon, on va faire un deal, toi et moi. Tu travailles cette année de travail, deviens la tâche et je te donnerai ma fille Rachel. Lorsqu'il a travaillé 7 ans, au terme de 7 ans, je vous lis le texte, Genèse chapitre 29. Quand il vient arriver chez son beau-père, il voit Rachel qu'il aime, mais il ne peut pas l'embrasser. Pendant 7 ans, il ne peut pas l'embrasser. Genèse chapitre 29. Il a dit ici, Genèse chapitre 29, le verset combien? Le verset 18. Et Jacob aimait Rachel. Et lui dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Et la fille, elle a dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Et si Jacob servit 7 années pour quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli afin que je batte vers elle pour la déshabiller maintenant. Ce n'est pas fini. Et la Bible dit, son oncle Laban va organiser la cérémonie. Il va organiser un festin. Le festin vient toujours après la cérémonie de dot. Je vous donne encore une autre test. Il y a plusieurs tests. Ça sort très bien, mesdames et messieurs. Le Dieu que nous appelle ne se contredit pas. Et c'est un Dieu saint. Et c'est Dieu qui dit, ni les impudiques n'hériteront le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 2, bien aimé, pour éviter l'impudicité, je vous renvoie au dictionnaire. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Toute relation sexuelle hors mariage. Merci. Toute relation sociale qui n'a pas été officialisée et reconnue. Maintenant, le fait de déshabiller une femme sans s'être présenté sur les paravents au préalable et sans avoir payé la dot, est connu comment? Impudicité ou fornication? Ah! Mesdames et messieurs, regardez ce que le Seigneur dira. Jésus dira, Matthieu chapitre 5, le verset 24, verset 28, du moins, le Seigneur Jésus regarde les pharisiens face à son éditoire. Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis quoi? L'adultère. A déjà commis quoi? Mesdames et messieurs, pourquoi Christ parle de le regard? L'élection sur l'homme commence à partir du regard. L'élection sur l'homme commence à partir du regard. Lorsque vous regardez une femme deuxième fois dans votre esprit, l'information est transmise au système nerveux qui libère le sang à vie à lui, qui circule à une vitesse de 60 km/h à des 5 000 personnes. Ce sang passe dans un tube qu'on appelle le tube érectile qui descend jusqu'en bas. Ce qu'on appelle glande, de manière scientifique, ça s'appelle glande, mais en réalité, on appelle ça testicule. On ne dit jamais trois testicules. Le mot testicule vient d'un mot grec qui veut dire témoin. Ça veut dire que tu as mis deux témoins en bas. Lors d'un rapport sexuel, c'est l'homme qui est en mouvement. Et pendant le mouvement, les testicules balancent qui sont en train de sanctifier l'accession. L'impudicité avant le mariage, ce n'est pas encore fini. C'est encore des tests, mesdames et messieurs. Alors, ici, là où nous sommes, ici, là où nous sommes, la Bible dit, le Seigneur Jésus dira, plutôt l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, fuyez l'impudicité. Est-ce que le vol n'est pas un péché? Est-ce que l'idolâtrie n'est pas un péché? Pourquoi de manière expresse, la Bible nous demande de fuir l'impudicité?
parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque dans un acte sexuel, qu'est-ce qui se passe? Dans le sperme de l'homme, sur tout ce qu'on appelle des spermatozoïdes, c'est des cellules sanguines. Il est tombé. Vous me suivez? Alors, lorsqu'il y a contact sexuel, l'intimité, on parle de je sois la richesse de mon âme sœur. Par conséquent, celui avec qui tu as un contact sexuel, s'il est tout sauf de Dieu, il y a une influence et il y a quoi? Échange et contrôle d'âme. C'est pourquoi la définition dit je sois la richesse de mon âme sœur. Et Dieu interdisait aux enfants de Dieu de se lier par mariage aux nations païennes étrangères. Alors, qu'il nous montre aujourd'hui, de manière biblique et scripturelle, qui est bâti des habits une femme vierge. Ça sent très bien, une femme qui court le risque de se faire quoi? De se dévierger par un homme, sans un rapport, sans quoi une tante en bonne et due forme sera lapidée à mort. Oui. Aucune femme en Israël ne pourra courir ce risque. Donc le test qu'il utilise pour dire si tu couches, vous êtes allé à l'école, la langue de Molière est très facile. On vous dit, si un homme couche avec une femme non fiancée, il paiera sa dot. On commence d'un point ci, c'est une mise en cadre. Je m'arrête là d'abord pour que vous m'en remerciez. S'il vous plaît, je crois qu'il est sérieux dans ce qu'il vient de faire. Donc, ça serait malsain de dire à ces trois responsables-là de se taire. C'est pourquoi, vous voyez, regardez. Ça serait irresponsable de vous dire de vous taire quand vous étiez en train de parler. Voilà. Voilà. Donc, souffre aussi de tout ce qui va se passer. Sans broncher. Non, c'est ce que je n'aime pas. C'est ce que je n'aime pas qui est là. C'est ce que je n'aime pas qui est là. Tu as pas me dit que tout de suite dans le Saint-Esprit t'a utilisé, déjà Satan te possède déjà. Donc vous faut rester tranquille, il faut te taire alors. Ou bien tu viens d'être agité tout à l'heure par l'onction. Déjà je viens de parler, je commence à peine, déjà Satan est rentré en toi. Donc faut te taire. Faut pas me distraire. Alors, je commence par là où il a terminé. Il dit, si, comme il a dit, si, c'est conditionnel. Mais on commence par ce qu'il pense croire. Et il, parce qu'il dit qu'il croit en Jésus. Mais lisons en Romains. Est-ce que croire en Jésus là aussi n'est pas conditionnel? Ou bien, même croire en Dieu aussi est conditionnel? Même la vie elle-même, elle est conditionnée. L'existence tout entière est conditionnée. Que ce soit dans Romains, Actes des Apôtres, commençons d'abord. Romains 19. Écoutez bien ce passage. Si tu confesses de ta bouche. Si tu confesses de ta bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur. Toujours si. Si tu crois dans ton cœur. Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici la condition. Donc, être ressuscité des morts aussi est conditionné. C'est conditionnel. Parce que, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais faites ce que j'ai fait aussi là. Quand il parlait, pas parce qu'il était d'accord, mais je me suis tué pour l'écouter. Parce que, en écoutant l'autre, je peux découvrir mes failles. Chose qui a été impossible tout à l'heure. Vous êtes libre d'accompagner votre pasteur. Seulement taisez-vous. N'embrouillez pas ceux qui sont à côté qui veulent écouter aussi. Alors, si tu crois en Jésus, tu seras ressuscité d'entre les morts. Alors, comme ce n'est pas écrit, Simon Pierre a cru en Jésus, donc il va être ressuscité d'entre les morts, donc cette parole n'est pas valable. Comme
dans la Bible, il n'est pas écrit quelque part. Paul a cru à Jésus-Christ, donc il sera retiré d'entre les morts, cette parole n'est pas valable. Donc si la chose est conditionnée, et qu'on n'a pas vu quelque part le nom de X ou Y qui a pratiqué la chose, donc ce n'est pas une loi de Dieu auquel le peuple doit se soumettre. C'est lamentable. Et c'est ce mal qui ronge la chrétienté, mais nous disons merci à Dieu, parce que ces choses-là ne peuvent pas prospérer là où nous sommes. Amen. Retournons là où il a... Oui, lis. 1 Pierre 2:3. 1 Pierre 2:3. Si vous avez goûté... Si vous avez goûté... Que le Seigneur est bon. Donc Jésus lui-même doit le goûter. Amen. Amen. Ah. Ah, ah, ah bon. Jésus lui-même. Ah. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il vous dit toujours. Il y a des choses que vous pouvez développer seul dans la salle où il n'y a pas quelqu'un qui va répliquer. Parce que la salle vide là ne peut pas répondre. Mais quand vous me trouvez là, c'est que vous allez dire contrôler ça bien. Parce que je ne vais pas me fatiguer à aller chercher autre argument ailleurs. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas qui sort de votre propre bouche là que je vais prendre. Donc, je vais continuer par si d'abord. Après si là, on va revenir sur l'affaire de goûter tout à l'heure. Continue. Si vous avez goûté. Si vous avez goûté. Que le Seigneur est bon. Que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Donc, on ne doit pas s'approcher comme ça de la merde. Il faut être prudent. Il faut d'abord goûter le Seigneur. Et comment cela doit être fait au plan spirituel? Écoutez, analysez et jugez pour apporter du crédit à ce qui est dit de qui est Jésus. En ce moment-là, je peux dire amen. Amen. Parce que mon amen doit être amen, mon oui doit être oui et mon non doit être non. Si je n'ai pas bien analysé avant de m'engager, ça sera trop tard. C'est la même chose aussi dans l'affaire de femmes. Le monsieur parlait tout à l'heure de l'affaire de... On doit doter la femme, on doit faire les cérémonies avant d'aller déshabiller la femme. Dieu merci, il citait la Bible. Mais je n'ai pas vu... Oui. Je n'ai pas vu... Une loi de Dieu où il est dit, si tu aimes une femme, oui. Va voir ses parents la doter, et après les cérémonies de dot, va maintenant coucher avec elle. Oui. Moi, c'est cette loi que j'attends. Préparez-vous, vous qui l'aidez là. C'est cette loi que j'attends. Alléluia. Hein? Parce que les cinq livres patenteux, écoutez très bien, les cinq livres patentés qui ont été rédigés par Moïse, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Dans le livre de la Genèse, c'est le livre des semences, où toutes les choses sont éparpillées. Rien n'a été organisé, rien n'a été ordonné, rien n'a été structuré là-bas. C'est pourquoi la façon dont Abraham s'est marié n'est pas la même façon dont Isaac s'est marié. Ça n'a rien à voir aussi avec la procédure de mariage de Jacob. Donc ces trois-là, avant leur affaire, la loi n'a pas été donnée. Et pour ça gouverne, Jean chapitre 1, le verset 17 à 19. À partir d'Abraham, Isaac et Jacob, à quand ou à qui la loi a été donnée? Jean 1, 17. Pour que la vie soit structurée là. C'est à partir de qui? Un prophète de Dieu qui parle des choses comme ça, oui? Jean 1, 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Est-ce que vous écoutez bien? Et quand le Seigneur Jésus-Christ devait venir en porte-à-faux, ou en préfiguration, c'est Moïse qui était son prototype. Il dit, je suscirai du milieu de toi un prophète comme toi. Au milieu d'Israël, un prophète comme toi, pas comme Abraham, pas comme Isaac. Mais l'image du Seigneur Jésus-Christ, parce que Moïse était législateur, Jésus-Christ aussi. Oui. Moïse était libérateur, Jésus-Christ aussi. Oui. À la naissance de Moïse, il y a eu des troubles et des nouveaux noms ont été tués. Oui. À la naissance du Seigneur Jésus-Christ aussi, les mêmes choses sont produites. C'est ça. De même que Jésus-Christ s'est réfugié parmi les nations, Moïse aussi a été pris et allait se réfugier. De façon symbolique, il a été déposé sur les eaux pour être un peu éloigné, pour ne pas qu'il soit tué. C'est ça. Les mêmes réalités sont là. Donc, la deux alliances qui culminent de Moïse et de Jésus, la loi et la grâce. À partir d'Abraham, ce sont les promesses. Les messieurs ne savent pas tout cela, je ne suis pas obligé de vous enseigner, mais on passe au contre-attaque simplement pour avancer. Alors, car la loi a été donnée par Moïse. Donc, de façon explicite là, qu'est-ce que la loi qui a été donnée à Moïse l'a dit? Sur cette affaire de la démarche à adopter, si on veut garder une femme. Amen. Voici la question qu'on doit traiter. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'Abraham, dans son cas de mariage là, la Bible dit qu'il a pris sa propre soeur. Voilà. Abraham a pris sa soeur. Oui. Sarai, c'est la soeur d'Abraham. Et la Bible n'a pas dit qu'Abraham a travaillé. Ou bien est-ce que Terek, son père, est allé faire des démarches pour qu'on célèbre les fiançailles ou bien le mariage d'Abraham? Non! Un coup, la Bible dit, Abraham a pris sa femme, ils sont partis. Ils sont sortis. Donc, rien n'a été donné comme
enseignement auquel la génération future doit se conformer. La seule chose que Dieu demande pour maintenir toujours le peuple dans la foi d'Abraham, c'est de toujours se faire circoncis, selon que Abraham l'a fait. Donc, cette affaire de mariage, Abraham ne s'est même pas prononcé dessus. On vient encore à Isaac. Isaac, lui, il n'a même pas travaillé. Il est resté chez lui. Et on a envoyé quelqu'un pour aller chercher femme là, pour lui envoyer ça à la maison. Il est resté en famille, on lui a envoyé femme là. Or, oh, l'écriture, l'homme quittera son père et sa mère. Isaac n'a pas quitté son père et sa mère. Il ne faut pas m'en servir à ça. Écoute très bien l'écriture. Isaac est resté en famille, or, l'écriture a dit de quitter son père et sa mère. C'est juste une petite information. Troisième point. Quand Jacob devait se marier, il allait travailler comme un belard. C'est-à-dire, premier contrat, là, ils l'ont doublé. Tu veux qu'on ait quand même doublé? Parce qu'il a fini de travailler, femme qu'il veut, là, c'est pas ça, on lui a donné. Oh, si très tôt, la loi de Moïse était intervenue, Jacob n'allait pas être pris dans ce piège. Alléluia! Si très tôt, la loi a été donnée avant que Jacob ne vienne, il n'allait pas travailler en vain. Parce qu'il finit de travailler, c'est pas femme même pour qui il a travaillé là, on lui donne. Jusqu'à deuxième fois encore, il a oublié d'avaler ça comme ça. Parce qu'il doit continuer. Deuxième fois encore, même chose. Ça lui a fait mal, mais il va faire quoi? Alors, vu que toutes ces choses-là ne sont pas des exemples que Dieu lui-même a ordonné, mais ce sont ses serviteurs qui sont levés pour faire ça. La vie est-elle désordonnée? Et chacun s'est levé selon qu'il était conduit. Alors qu'est-ce que l'écriture fait? La loi vient maintenant pour réglementer la vie. C'est pourquoi ce que Caïn a fait, l'écriture dit même qu'il a bénéficié d'une immunité. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Donc Caïn a été gardé, protégé, sécurisé. Contrairement à ce que Moïse est venu dire, si quelqu'un ôte la vie à son semblable, on doit lui ôter la vie. Donc, à partir de ce moment-là, on doit savoir à quel moment de l'existence du peuple saint la loi pour structurer leur vie en communauté a été introduite. C'est à partir de Moïse. C'est à partir de Moïse. Maintenant, réalisons l'exode qu'il a lu et puis la coudou et la fuit. On va lire ça bien. Exode 26. Alléluia. Amen. Si un homme. Écoutez très bien ce passage. Si un homme. Moi, je ne sais pas. Hein, dans ce passage-là, qu'est-ce qui dit au monsieur que c'est facultatif? Ou bien ce n'est pas une loi qui vient de Dieu auquel le peuple doit se soumettre? Qu'est-ce qui lui fait croire ça? Oui? Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Si c'est à quoi de si là, la Bible dit aussi, si tu as goûté Jésus aussi. Donc, affaire de si là, quelqu'un ne peut pas charger ça sur cette si là pour dire que ça là, c'est pas vrai. Oui? Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Qui n'est point fiancé. Qui n'est point fiancé. Et qu'il couche avec elle. Et qu'il couche avec elle. Il paiera sa dot. Moi, je veux un verset contraire à ça. Si tu veux même là, ça n'a qu'à être derrière l'Ancien Testament. Ou bien après le Nouveau Testament. Seulement que ça soit écrit dans la Bible. Où c'est écrit. Si un homme aime une vierge qui n'est point fiancée. Et qu'il paye sa dot. Ou bien il va voir ses parents, après les cérémoniels du mariage, il va maintenant aller coucher avec elle. Moi, c'est ce que j'attends. Tu penses qu'on va laisser ça là pour écouter le long discours? Tu es intervenu longtemps, je vais intervenir longtemps. Dès que j'ai fini là, tu donnes maintenant un passage, je donne un passage. Pour ne pas que tu penses avoir d'inspiration que de nous faire spéculer sur les histoires des testicules 60 km, tout ça là. Alléluia. Ces genres de sensations là ont prospéré longtemps. Mais ça ne peut pas prospérer ma présence. Et quand tu as dit ça là, dans vos communautés, ça, il est inspiré. C'est pas une inspiration. C'est manque de connaissances bibliques. Oui frère. Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Quand il a dit tout ça là que testicule, quand on fait comme ça fait 60 km/h. Comme je ne veux pas lui créer trop de problèmes, sinon je lui demanderai tout de suite là de nous montrer ça dans la Bible. Ils vont trouver ça ridicule, mais c'est ce que je vais utiliser pour le détruire. C'est ça. Mais je te fais grâce cette fois-ci sur ça. Si un homme
Exode 22:16. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas m'aimer, vous c'est votre droit. Mais vous êtes obligés de respecter ce que la Bible dit. Amen. Et moi, mes frères, notre travail dans le travail qu'on fait là, oui, c'est de vous contraindre à respecter ce que la Bible dit. Amen. Partout où vous allez nous voir, vous pouvez vous foutre partout de la parole de Dieu, bafouer les Écritures. Oui. Mais quand nous sommes là, vous serez contraints à respecter, amen, les Écritures. Amen. Quel que soit le refroidissement de vos visages. Lisons. Si un homme, séduit une vierge, si un homme séduit une vierge, il n'est point fiancé. Il parle de propriété. Mm-hmm. La loi relative aux propriétés. Mm-hmm. Mais le fou même qui se promène dans la rue là, faut le tuer tout à l'heure, tu vas voir. Tu vois, c'est là que tu vas comprendre qu'il est propriétaire. Mais chaque chose appartient à quelqu'un. Même la terre sur laquelle on se tient, c'est une propriété. Même ce maquis-là, c'est une propriété. Donc il est notoire qu'enfant de quelqu'un qui n'est pas tombé du ciel soit propriété de son père. En quoi est-ce que ça annule cette démarche-là de coucher d'abord pour voir si elle est vierge avant de la prendre? Ça annule ça. Pourquoi? Alléluia. J'ai dit de me montrer. Alléluia. J'ai dit de me montrer où c'est écrit. Si un homme aime une vierge et qu'il la dote, il la fiancé, il a fini de la doter après la cérémonie, il n'a qu'à coucher avec elle. Voilà. C'est ce qu'il demande. Tais-toi, j'ai la parole encore. Vas-y. Si un homme. Alléluia. Amen. Oui. Si un homme. Si un homme. Séduit une vierge. Séduit une vierge. Qui n'est point fiancé. Qui n'est point fiancé. Et qu'il couche avec elle. Ça vous dérange, mais c'est ça. Je n'étais pas là quand Dieu disait ça. Et c'est pas pour te faire plaisir que ça a été écrit. Voilà. Mais c'est pour redresser le monde. Pour ne pas que les saletés soit ramassé dans la rue sans contrôler et puis ça va rentrer dans la maison de quelqu'un. Et que d'ici là, 3 jours, 4 jours, tu vas constater que tu flottes comme un drapeau somalien au désert. À quoi de voir? Pourquoi? À quoi de quoi? Alléluia! Amen. Comment botte, moi qui cherche une pointine, on me donne botte et tu veux que Yinaka prenne ça dans le carton sans savoir ce que c'est? Oui, frère! Si un homme. Si Dieu a dit cela, il sait pourquoi il a dit ça et c'est pour nous qu'il a dit ça. Amen. Pas pour les lâches. C'est trop fort pour vous. Oui. Si un homme. Si un homme. C'est d'une vierge. C'est d'une vierge. Fiancé. Donc il y a les vierges qui sont déjà fiancées. Et il y a aussi d'autres vierges qui ne sont pas fiancées. Tout à l'heure, il parlait de Marie et il parlait de l'autre qu'on va lapider. On va relire et vous allez voir. Si ces femmes-là sont déjà quittées dans la maison paternelle, tout cela vous échappe. Oui. Oui. Si un homme. Je dis. Pour qu'elle quitte ses parents-là, selon la loi-là, avant de quitter la maison de ses parents-là, on doit d'abord mettre drap là, coucher avec elle, avant de partir avec ça. C'est dans la maison de ses parents que ça doit se produire. Parce que si ce n'est pas dans la maison de son parent, comment ils se sont arrangés pour garder les preuves de virginité là? Ou bien c'est ce que l'autre avait fait là qu'ils vont appliquer à l'autre? On va ouvrir vos yeux sur ça. C'est important. Oui, frère. Si un homme, c'est d'une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. C'est là qu'il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. C'est là qu'il va la prendre pour femme. Maintenant, deuxième point. Si le père refuse. Regardez bien. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas eu. D'abord, l'étape de fiançailles. Parce que c'est à l'étape de fiançailles que l'homme est censé être connu par les parents de la femme. C'est ça. Parce qu'il est venu la fiancer de la mère de ses parents. Mais ici, elle n'a pas été fiancée. C'est ça. Donc le père n'a pas eu le temps de savoir qui est ce monsieur de qui sa fille est tombée amoureuse. Même jusqu'à cette heure, il y a les familles où l'homme et la femme s'aiment, mais le parent de la femme ou de l'homme ne sont pas d'accord. C'est vrai. Même dans leur comédie qu'ils jouent là, dans la signature des papiers de mariage. On pose la question, qui est contre cette union? Il n'a qu'à soulever la main. Ouais. Donc jusqu'à cette heure, ça continue. Alors le père, qui si. N'était pas là, quand sa fille a été séduite par ce monsieur, et qu'elle allait avec lui, elle est venue, ah papa, vraiment il y a mon chéri, que j'aime beaucoup là, je veux qu'il vienne pour faire ce que notre loi a dit tant. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a couché à moi déjà. C'est viol, non? Il m'a vraiment séduit, comme on doit faire la chose logiquement. Ce n'est pas un terroriste, mais il a utilisé l'art de la chose. Et je suis convaincu, et je suis tombé amoureuse, je suis sorti avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couché avec lui, donc le voici. Le monsieur voit et regarde. Il a vu que c'est un faux prophète
qui ne connaît ni la loi, ni la puissance de Dieu. Il dit non, ma fille ne peut pas être avec un homme inconscient. Je ne peux pas accepter ça. Donc le père a le droit de non sur ça. Parce que ce n'est pas passé à l'étape de fiançailles. Vous comprenez, monsieur? Mais, dans les deux cas, au cas où il y a un fiancé ou pas un fiançaille, il faut l'acte d'abord sexuel. C'est ça celui qui atteste que la chose est scellée ou bien c'est décelée. Oui? Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent. La valeur. C'est la dot des vierges. Mais ça là, c'est pas un viol. Ce n'est pas un viol. Quand les gens disent que c'est Satan qui a séduit Ève, moi j'attendais. Peut-être que dans les temps qui vont venir là, il va toucher le mot séduit. Je vais lui montrer les points où Dieu a séduit et c'est écrit. On va voir si Dieu aussi est adepte de Satan. Qui vous a dit que le mot séduit, là, c'est un mot qui est employé dans le mauvais sens? Quand on voit par exemple Ronaldo en train de prester sur le terrain, on dit mais ce tatiste-là nous séduit par son talent. Oui, ça. Ou bien ça, là, on n'a pas vu ça. Comment est-ce que vous voulez forcément penser que séduit là, c'est dans le mauvais sens? Mais un homme peut séduire pour faire le mal. Mais un homme aussi peut séduire pour faire le bien. C'est comme machette, on peut utiliser ça pour un bon sens, comme aussi couper la tête des faux prophètes en Côte d'Ivoire. Alléluia! Alors, Deutéronome 22 maintenant. Deutéronome 22, 13. Écoutez ce passage. Si un homme. Il a pris une femme. Écoutez bien. Parce que pour lui, le monsieur envoie la dame chez lui, dans sa famille, après cérémonie, tout ça là. Mais qui vous a dit ça? Lisons. C'est un homme qui a pris une femme. Oui. Et allait vers cette femme. Il allait. Mais qu'est-ce qu'il attend par le mot prendre même? C'est-à-dire enlever chez les parents pour l'envoyer lui dans sa famille. Non. Non. C'est quelque chose qui doit être attesté par sa virginité. Donc il n'a pas erreur. Il doit faire gaffe même. Il ne doit pas partir avec ça quelque part pour faire n'importe quoi. Parce que quand il va finir là-bas, il va dire qu'il n'est pas vierge. Qui est témoin de ça? Il faut des témoins. Voilà. Alors, s'il est allé vers cette femme, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Il éprouve de l'aversion pour sa personne. S'il lui éprouve des choses criminelles. Quelles sont ces choses criminelles? Les esprits de... Ce sont les prophétons. Les enfants du prophète. Ne vous fâchez pas, votre papa va parler. Et moi, il me faut ça, ce genre de frottement-là, pour que vous voyez l'état, la hauteur, la dimension des choses que nous possédons. Amen. C'est très important, oui. S'il lui impute des choses criminelles, et porte en tête à sa réputation en disant, J'ai pris cette femme. Et je me suis approché d'elle. Et je ne l'ai pas trouvée vierge. Oui. Alors le père et la mère de la jeune fille. Le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité. Ils vont trouver ça où ça? Là où le monsieur s'est banditisé avec elle là-bas? Ou bien où ça? Mais on va voir tout de suite là où ça s'est produit. Alors le mot sera bien maçonné. Oui. Le père et la mère de la jeune fille prendront les signes de sa virginité. Vont prendre les signes de sa virginité. Et la produiront devant les anciens de la ville. Donc s'il doit prendre les signes de sa virginité pour la produire, c'est que ça doit être à leur portée. C'est ça. Et ça doit être sécurisé. Et ils n'ont pas le droit de prendre ça pour aller appliquer ça à un autre. Mais c'est lui qui se plaît là. C'est la preuve que c'est lui, mais c'est pas lui qu'on doit apporter. Alors, le père de la jeune fille dira aux anciens. J'ai donné ma fille en mariage à cet homme. Et il a pris en aversion. Pour qu'est-ce qu'il dit? Et lui implique des choses criminelles. Oui. En disant. Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Oh, voici les signes de la virginité de ma fille. Oui. Il la déploie. Et ils déploieront un vêtement. Ils vont déployer maintenant. Les vêtements devant les anciens de la ville. Voilà. Et les anciens de la ville. Saisiront alors cet homme. Donc, dans ce cas-là, on ne doit pas confondre ça avec le premier cas. Dans le premier cas, l'homme qui est allé avec la femme est d'accord, il veut prendre sa chose. Mais c'est le père qui refuse. Mais ici, l'homme, le père et la mère sont d'accord, mais c'est l'homme qui a pris là, c'est lui qui refuse maintenant. Donc, il ne faut même pas prendre les deux cas pour les mettre ensemble, monsieur. Oui. Alors les anciens de la ville. Saisiront alors cet homme. Et le châtiront. Voici, ça dit, la punition pour quelqu'un qui a fait infraction. Parce qu'il a porté la tête. On doit les
l'affliger, on doit le châtier, on doit chicoter ses fesses. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un délit. Mais dans le premier cas, ce n'est pas un délit. C'est pourquoi l'Écriture demande de payer la donne. Parce qu'on ne doit pas barbariser une femme. Il faut la séduire. Il faut de l'art, la convaincre. Oui. Et parce qu'il a porté la tête. Oui. À la réputation d'une vierge. Hein? En Israël. En Israël. Et ils le condamneront. Ils le condamneront. Donc, quand on commet un délit, on doit être condamné. Est-ce que le premier cas a été condamné? Non, monsieur. Ce n'est pas dans le souci de faussement m'incriminer que vous allez appliquer les choses qui ne sont pas applicables. Oui, frère. Et cette femme. Et cette femme-là. Restera sa femme. Ils vont, ça dit, en brie, elle va rester sa femme. Et il ne pourra pas la renvoyer. Or, l'autre côté, c'est le père qui refuse. Ce n'est pas le monsieur, mais c'est le père qui refuse. Maintenant. Et il ne pourra pas la renvoyer. Maintenant. Tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai. Voilà. Mais si le fait est vrai. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. On fera sortir la fille. On va la faire sortir. On fera sortir la jeune femme. Oui. À l'entrée de la maison de son père. Donc, attendez, voilà. Donc, le monsieur avec la dame était dans la maison de son père. Et c'est là qu'il a fini. Et puis il sort, il dit c'est pas pur. Allez-y voir. Alléluia. Votre fille avec qui je suis dedans là-bas, c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont la faire. Mais si la femme est prête. Oui. Si la jeune femme. Si la jeune femme. Mais ça peut trouver vierge. Qu'est-ce qu'on fait? On la fera sortir. On la fera sortir. À l'entrée de la maison de son père. De son père. Voilà. Donc c'est dans la maison de son père. Parce que il veut, le père et la mère veulent les prouver que leur fille est vraiment vierge. Pour ne pas que quelqu'un la blâme. Or, depuis longtemps, elle passait par la fenêtre. Elle passait par la fenêtre. Il y a quelqu'un qui a mis celle dessus déjà qui a mangé ça. Alors. Et cette femme. Et cette femme-là. Sera lapidée par les gens de la ville. Pourquoi? Puis elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En quoi faisant? En se prostituant dans la maison de son père. Dans la maison de son. Tu ôterais ainsi. Alléluia. Amen. Donc tu ôterais ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Tout à l'heure, quand il parlait de Marie, il nous a fait croire que Marie vivait avec Joseph. Il y a quoi à vous encore, Anitié? Ça dit pour lui, à l'étape de fiançage, l'homme et la femme vivent déjà ensemble. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le jour du scellement de mariage là qu'elle doit quitter pour partir. Voilà. Lisons Deutéronome 24 même d'abord. Deutéronome 24. Deutéronome 24. Il n'y a pas forcément lapidation, mais il y a aussi une autre possibilité. Deutéronome 24 premier. Oui. Lorsqu'un homme aura pris à épouser une femme qui viendra ne pas trouver grâce à ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a découvert en elle. Parce qu'il a découvert en elle. Quelque chose de honteux. C'est quoi? Il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main. Pour ne pas la blâmer, pour ne pas qu'on la lapide à mort. Il la renverra de sa maison. Dans le calme, chérie, toi et moi on sait. Et je sais que tu sais que je sais. Que ton affaire là. J'ai souffert. J'ai souffert. Quand je vais finir, je te donne la parole. Tu as parlé de Marie tout à l'heure, on n'est pas encore arrivé là-bas. Amen, amen. Amen. Oui. Il écrira pour elle. Il va écrire pour elle. Une lettre de divorce. Une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main. Après la lui avoir remise en main. Il la renverra de sa maison. Il va la renvoyer de sa maison. Elle sortira de chez lui. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma dimension. Elle sortira de chez lui. S'en ira. S'en ira. Et pourra devenir la femme d'un autre homme. S'il veut là-bas. Ça dépend d'elle maintenant. Elle n'a qu'à continuer son chemin. C'est ça. Ça, parce que lui, il a découvert quelque chose qui n'est pas trop ça. Donc. Ce n'est pas lapidation seulement. Et ce jour-là, après mon esprit, il a fait une plaidoirie pour dire, nous les nations-là, nous sommes déjà habitués à nos pratiques, à nos coutumes, à nos histoires de masse et de fétiches avant que l'évangile ne vienne. Or, ceux à qui Dieu est intransigeant ici, eux, ils sont nés dans ça et c'est dans ça, ils ont été éduqués. Donc, ils n'ont pas droit à ne pas respecter ça. Mais nous, là, on était déjà éparpillés, gâtés avant que l'évangile ne vienne. Donc, celui qui a trouvé sa femme, qu'elle soit vierge ou pas vierge, le fait que vous aimez rester ensemble, ça ne pose pas de problème. Mais pour ça là, ce qui est pur et qui est juste selon les Écritures, parce qu'il est dit,
sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Ce qui est la vérité de Dieu, c'est que tout doit commencer par le point de la virginité. Marie maintenant. Matthieu 1, 18. Commençons par Matthieu. Il a commencé au verset 24 à 25. On commence à verset 18. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère. Marie sa mère. Ayant été fiancée à Joseph. S'il vous plaît. Vous qui êtes ici là. Qui peut se comparer au Seigneur Jésus-Christ? Qui peut parler et dire que lui il a existé, il est né comme Jésus est né? Est-ce que dans la loi, c'était prévu qu'une vierge tombe enceinte? Ça c'est du nouveau, qui n'a rien à voir avec la loi. Parce qu'aucune loi ne s'est prononcée sur ça pour dire quand la vierge va tomber enceinte, ou bien tu épouses une femme qui est vierge et dans sa virginité elle tombe enceinte, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. Seulement, la prophétie avait annoncé que la vierge tomberait enceinte. Mais si une vierge doit tomber enceinte, toi tu veux qu'elle soit femme de qui? Et si cet enfant-là doit être le Très-Haut qui doit naître, il doit être sperme de qui? Les 60 km dont tu as parlé, Jésus a parcouru combien de kilomètres? Un menteur. Oui. Alléluia. Alléluia. C'est combien de testicules qui étaient témoins de pour Jésus là? Oui. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère. Écoutez très bien le passage. Écoutez très bien. Marie sa mère. Elle était fiancée à Joseph. On va voir si à l'étape de fiançailles là, les deux sont appelés à vivre ensemble. Vous vous mentez dans vos églises. Vous pensez que la Bible c'est pour votre église? Non, non, non. C'est pas pour vous. Marie sa mère. Marie sa mère. Elle était fiancée à Joseph. Elle était fiancée à Joseph. Se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Oh, Joseph connaît très bien la loi. Une femme, dans une telle situation, alors que son homme qui allait donner sa parole d'honneur ne s'est pas encore approché d'elle, quand c'est comme ça qu'on la dénonce, on sait ce qui va se passer. Alors, Marie sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit. Il y avait une loi qui a été promise pour ça, pour régler ce genre de litige. Il y avait déjà une loi. Alors, pourquoi on veut prendre ça? Pour mettre dans ce que je vous demande. Il y a une montre, moi, un passage où il est dit, il faut doter la femme, il faut faire la cérémonie, avant d'aller la doter. Si un homme aime une femme, il n'a qu'à aller la doter, faire la cérémonie avant d'aller coucher avec elle. C'est ce qu'il demande. Ça là, tu dois donner ça aujourd'hui avant de partir. Oui. Marie se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Pour qu'ils puissent habiter ensemble. Donc à l'étape de fiançailles, les gens n'habitent pas encore. Donc ne mélangez pas les choses devant nous. Alors, pour continuer et terminer sur cette affaire d'impudicité ou de débauche, je lis un passage. Parce que lui, quand il attend impudicité ou débauche, directement pour lui, c'est sexe. Mais qui vous a dit ça? Ou bien vous prenez la définition de dictionnaire pour envoyer ça dans la Bible? Non, monsieur. Demande au dictionnaire. Entends pas le nom de Caïn. Tu verras ce que le dictionnaire va te dire. Caïn, premier fils de Adam. Alors que ce n'est pas vrai. Dans la Bible, dans la généalogie d'Adam, le nom de Caïn ne fut jamais mentionné là-bas. Et ça ne sera jamais mentionné. Jamais. Regardez encore. Allez-y, demandez au dictionnaire. Demandez le mot Trinité. Ils vont dire, selon la connaissance biblique, c'est trois personnalités distinctes qui forment Dieu. Or, cela n'est pas biblique. Dictionnaire là, qui a écrit ça? C'est poussé par le Saint-Esprit qui a écrit le dictionnaire. La seule chose qui est inspirée pour moi en tant que chrétien, à laquelle je dois me fier au cas où j'ai besoin d'être éclairé en tant que chrétien, dans ma connaissance et ma marche chrétienne, c'est la Bible seule. Amen. Si le Saint-Esprit ne m'a rien dit concernant la Bible, je ne prendrai aucune définition biblique dictionnaire. Je ne peux pas. Je vais aller où avec ça? Oui. Alors. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Et la mougou vin là, non? Vous racontez votre vie. Alléluia. Vous croyez que quoi?
Vous croyez que quoi? Ça dit, vous êtes assis pour dire, oh, on a trouvé la faille. Maintenant, ils sont partis aujourd'hui. Ce n'est pas vrai, monsieur. Impudicité là. Il y a même plusieurs passages. Mais comme on doit passer maintenant au test, inversé. Voilà. Je pense que on va passer à ça. Alors, l'écriture dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Or, vous, dans votre compréhension, c'est de coucher avec une femme. D'après votre compréhension des dictionnaires. C'est pas vrai. Où je suis allé là, je suis en train de faire une débauche d'énergie. Enseigne-le. Voilà. Un sportif qui est en train de travailler fort, il fait une débauche d'énergie. Tout dépend de l'esprit qui est en vous. Sinon, dans la Bible, là, quand on voit impudicité, ou bien quand la Bible dit que la femme s'habille avec pudeur et modestie, ça veut dire quoi? Quand elle va se promener, faut pas elle va faire le rapport dans les rues. Parce que si elle n'a pas habillé avec pudeur, c'est qu'elle a habillé de façon impudique. Quand on dit atteinte à la pudeur ou bien à la modestie, ça n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Je crois que le fait de coucher avec femme de façon désordonnée fait partie de la débauche sexuelle, fait partie aussi de l'impudicité sexuelle, mais ça n'a forcément pas rien à voir. Quand on entend le mot impudicité, débauche, ce n'est pas forcément en rapport avec le sexe. C'est comme on dit, alléluia. S'il vous plaît, c'est comme on dit, à partir de homme, grand homme, on peut faire sortir la femme, mais à partir de femme, on ne peut pas faire sortir grand homme. Jamais. On ne peut pas faire sortir homme. C'est de ça qu'il est question. Quand vous entendez impudicité, débauche, pour vous, c'est en rapport avec le sexe. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le sexe, dans le cas de sexe, on peut utiliser débauche ou impudicité, mais pas forcément lorsqu'on va voir partout impudicité ou débauche passer au sexe. C'est pas vrai. Alors, la question de fond qui nous rassemble là, pour le coup, laquelle vous êtes là, c'est de me montrer qu'il faut doter la femme, faire les cérémonies avant de la déshabiller. Alors, un passage maintenant. C'est le suivi. Alors, le même test de Deutéronome il a pris. 22. Nous sommes tous là-bas des intellectuels. Je souhaiterais qu'on relise. La Bible dit dans le texte qu'il a repris que j'ai donné. Le père dit, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il accuse pour des choses indignes pour dire qu'elle n'est pas vierge. Je viens. Vous prenez Exode chapitre 2, le verset 18 au verset 21. C'est le père de Séphora qui a donné en mariage à Moïse. Vous prenez le patriarche Jacob. Comme il a dit tout à l'heure, il a travaillé parce qu'il n'avait pas le moyen pour la dot. Isaac, pareil, il était celui, Genèse chapitre 24, à partir du verset 51 au verset 54, la Bible dit le serviteur d'Abraham, lorsqu'il arrivait chez les parents de Rebecca, il a offert les éléments matériels en argent et en nature pour prendre Rebecca pour épouse. La suite, ils organisaient un festin. Retenez, festin qui accompagne après les dons qu'on donne. Et maintenant, il demande à prendre Rebecca pour retourner. Isaac ne s'est pas déplacé. Nous arrivons à Samson, Juges chapitre 14, le verset 1 au verset 3. Samson, le héros, il arrive sur un territoire. Il voit une femme. Il retourne ses parents. Et il dit à ses parents, j'ai vu une fille dans le territoire des Philistins. S'il vous plaît, papa, maman, accompagnez-moi pour aller prendre cette femme pour moi, pour épouse. Le verset 10 de Juges chapitre 14, le verset, la Bible dit, lorsque le père de Samson arrive, il va aller prendre cette femme-là. Et le verset continue pour lui dire, ils vont faire le festin qui met une cérémonie réservée aux vierges. Quand on parle de, c'est écrit, tous ceux qui sont passés dans la Bible, il n'y a pas un enfant de Dieu, un homme de Dieu, le festin du roi. Ça arrive, on arrive le cas de Ruth. Boaz, on va parler de Boaz, Ruth chapitre 3, le verset 8 au verset 14. La Bible déclare que Naomi qui revient du territoire de Moabit vient avec une femme esclave, sinon du moins une femme païenne, à cause du fait qu'elle est moabite. Lorsque Ruth, elle arrive, elle se met au service de sa belle-mère, et sa belle-mère décide d'assurer son lendemain. Elle lui dit cette nuit, Boaz sera dans le champ,
la Bible déclare que Ruth va se faire très belle. Elle s'introduit la nuit dans là où se trouvait Boaz. Elle va se coucher au pied de Boaz. Il dit à cet homme, il se réveille, il lui dit, tiens, reste là. Demain, je vois que tu es une femme vertueuse. Le lendemain, Boaz, il se présente à l'entrée devant des témoins. Il dit, devant tout le monde, je prends témoin de racheter les biens de Naomi et de prendre Ruth pour épouse. Elle a dormi à la nuit. Il n'a pas touché. Ils étaient deux, il n'a pas touché. Maintenant, pour que qu'une femme soit ta fiancée, c'est que tu l'as séduit, non? Elle a accepté d'être ton épouse, mais tu ne l'as pas connue. Et puis, Joseph n'a pas connu, tu ne connais pas d'homme. Je viens d'abord. Il n'a pas déshabillé, mais c'est sa fiancée. Et l'ange dit, ne crains point de prendre ta femme pour épouse, vérifiant. L'ange même constate que c'est derrière ta femme. Ne crains point de la prendre. Pour lire le texte, Matthieu chapitre 1, verset 24 au verset 25. Matthieu chapitre 1, le verset 24 au verset 25. Joseph, c'est un réveil, puisque l'ange du Seigneur. Joseph, c'est à toi. C'est un réveil, oui. Puisque l'ange du Seigneur lui avait ordonné, oui. Et il prit sa femme. Il prit avec qui lui. Il prit sa femme. Il prit qui? Il prit sa femme. Il a pris une bordade? Non. Il a pris une femme toutou? Non. Il a pris une paille ou de paille? Non. Il a pris une femme. Il a pris une femme. Alléluia. J'avais dit un verset. Un verset. Il a fini de lire. Je lis. Non. J'ai été clair. Non. J'ai dit un verset. Non. Alléluia. Vous savez, dans ce que je fais là, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais c'est pour imposer une réalité. Que vous soyez d'accord ou pas, il a fini de lire un passage, je lis aussi un passage. Il disait tout à l'heure, parce qu'il y a les versets qu'il a cité comme ça, sans nous faire lire ça. Et il continue son discours. Mais la question qu'il a posée là demeure. Je dis, non, j'ai la parole, monsieur. La question qu'il a posée demeure. Je dis, Exode l'a dit, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couche avec elle, il va payer sa dot. Il va aller payer la dot et la prendre pour femme. Est-ce qu'il y a une loi divine ordonnant le contraire de ça pour qu'on dise que je suis dans le faux? Amen. Alléluia. J'ai la parole. Alléluia. J'ai dit ça là, la dernière fois tu étais là-bas, je t'avais dit ça avant de partir à la maison. J'ai dit, en venant là, viens avec un verset contraire. Parce que non, j'ai la parole, faut te taire. Faut te taire. Ok. S'il vous plaît, vous qui avez d'autres choses qui brûlent en vous, qui vous voulez exprimer là. Ici, là, on n'a pas payé 5 francs. Posez avec les responsables du quartier. Vous allez revenir ici sans nous pour développer ce que vous voulez. Amen. J'ai la parole. Alors, quand il dit, Ruth est allé chez, comment il s'appelle? Boaz. Mais est-ce que c'est Boaz qui l'a appelé? La Bible dit, si un homme, c'est l'homme qui engage l'action.
C'est l'homme qui engage l'action. Moi, je viens tester ce contraire. Ça, là, pour montrer le contraire. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis dans le faux. Vous ne pouvez pas dire que je suis dans le faux parce que j'ai lu un passage public sans que vous soyez à mesure de montrer une loi divine contraire à celle-ci. Si, voilà. Je vais lire. Mais tu avais la parole, je parlais. Ou bien tu es pressé, pressé pour répondre. Alors que ce n'est pas pour donner le passage qu'on demande. Alléluia. Regardez bien. Simon Pierre. S'il vous plaît. Dans la Bible là, la Bible dit Abraham s'est levé pour aller intercéder pour son neveu Lot. L'autre côté, la Bible dit que David est allé prendre Bathsheba, la femme de Uri, et il l'a tué. Ce sont des actes que des gens se sont levés pour aller faire d'eux-mêmes. Sans que cela ne soit une loi divine. Ou bien Simon Pierre est allé à la pêche, où ils étaient dans la barque, Jésus était en train de dormir, ils ont réveillé Jésus. Ou bien Moïse est venu sur la montagne d'Horeb, et la montagne n'a pas pris du feu. Moïse, Dieu a dit, enlève tes chaussures avant de quitter ici. Dans la loi que Dieu a donnée au peuple pour respecter là, dans la constitution là, il n'a pas été mentionné, dit au peuple de ne pas porter chaussures pour venir m'adorer. Il n'a pas été dit comme David a pris Uri et il a tué sa femme, il a tué Uri, il a pris sa femme. Il n'a pas été dit que Uri, comme David a fait ça là, faites ça. Mais quand Dieu donne une loi, elle s'adresse à son peuple. Oui. Moi, je veux que vous me produisez une loi contraire à celle-ci. Exode 22:16. Oui. Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Il n'est point fiancé. Et pas de mari. Là, j'ai dit à Marie, n'hésite pas de prendre avec toi, Marie. D'ailleurs, même là, c'est que là, j'ai venu dire à Joseph, il sait très bien que Joseph avait raison dans sa cause de vouloir laisser Marie tranquillement. Parce que dans la loi, une femme que tu as fiancée, tu es censé coucher avec elle avant qu'elle ne prenne grossesse. Mais quelqu'un d'autre n'a pas couché avec elle et de façon extraordinaire, elle prend grossesse. Mais s'il a décrié, la Bible a même été claire. Comme il était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. S'il avait crié là, on devait la tuer. Alors il avait raison. Mais c'est dans ça l'ange est venu l'exhorter pour dire, bien-aimé, ça là, ce que tu es en train de dire là. Il y a une prophétie que vous lisez chaque jour, vous ne comprenez pas là. C'est l'accomplissement de cette prophétie. Voici la jeune fille ou la vierge deviendra sainte par la vertu du Saint-Esprit. C'est cette prophétie-là qui est là. Donc ça là, ça n'a rien à voir avec la loi que Dieu vous a donnée selon votre vie sur terre. Donc afin de Jésus, enlevez ça dedans. Afin de Jésus dedans, il y a de montrer une loi de Dieu contraire à celle-ci. Relis encore. Si un homme séduit une vierge. Si un homme séduit une vierge. Qui n'est point fiancé. Qu'il couche avec elle. Ça c'est Dieu qui donne la loi là. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé de façon délibérée pour aller faire quelque chose. Oui. Il paiera sa dot. Il paiera sa dot. Et la prendra pour femme. Si tu n'as pas un verset contraire à ça, je ne veux pas te frustrer. On va appeler quelqu'un pour continuer notre campagne d'évangélisation. Alors, tu as la parole. Ouvrons le même test qui prend. Écoutez très bien. Dans la Bible, il y a eu dans la loi que Dieu donne à Moïse, il y a eu 10 commandements. Et en dehors de cela, il y a d'autres petites lois qui se sont rattachées qui constituent un nombre total de 613. Et ici, nous remontons, écoutez très bien. Après Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Et avant de lire, je mets ici au défi le même pasteur Gédéon qui parle, qu'il montre un fils de Dieu qui allait pousser d'abord une femme, il dit ce nom, et puis après il allait payer la dot, n'a qu'à faire sortir ce nom. Maintenant disons, parce qu'ils savent ce que Dieu attend d'eux. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée. Montre au verset 1. Écoutez très bien. Si un homme dérobe un bœuf. Si un homme fait quoi? Dérobe un bœuf. Bon, verset 2 maintenant. Si le voleur est surpris. Bon, verset 3. Mais si le soleil est levé, cela va.
la tâche vous tire. Quand il va quitter la prochaine main, il va fermer sa bouche. Là. Agneau, je trouve encore vivant entre ses mains. Il fera une restitution. Faut regarder ce que tu l'as, ma femme, regardez. Tu fais une sale lecture et puis c'est moi tu regardes. Faut regarder là pour te concentrer. Tu bavardes là, c'est pour pas. Écoutez très bien. S'il vous plaît. Nous sommes tous focalisés sur le verset hein, et qui demande un verset contraire. Or, ce qu'il oublie et qui fait croire aux gens, c'est la mauvaise interprétation de ce verset. Le Seigneur commence d'abord par le verset 1. Il est en train de mettre des mises en garde. Il commence, c'est tellement clair le français, si quelqu'un va voler un bœuf et qu'on l'attrape, il restituera 7 bœufs. Il arrive encore, si quelqu'un va voler un âne, voilà ce qui va lui arriver. Si un homme trouve une femme qui séduit et qui couche avec elle, il a péché. Alléluia. Je veux être clair. Laisse-moi parler. Mais tu as lu verset, non? Il veut pleurer. Folie. Vite, le temps passe, faut lire vite. Oh. Je suis de formation, c'est là. Donc, c'est pas après les Yessi ce soir. Il faut lire, j'ai dit de faire la lecture, le temps avance. Oh. Voilà ce que nous voulons de lire. Chers parents, chers amis, le texte que nous voulons de lire, l'Éternel est en train de tirer une mise en garde aux gens. Si quelqu'un vole un bœuf, il devra restituer 7 bœufs. Si quelqu'un vole un âne, il devra restituer 2 nombres de bœufs. Si un homme séduit une femme qui couche avec elle, il doit payer sa dot. Je viens. Maintenant, qui de David, l'un des fils de David, ils connaissent les enfants d'Israël. La Bible déclare que le fils de David, Amon, a rencontré lui-même sa demi-sœur, qui était quoi? Vierge. Dans 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 11 au verset 14. Et il a voulu coucher avec elle. Elle lui a dit non, c'est une abomination en Israël. Vous pouvez vérifier ce texte. C'est une abomination. Si tu veux de moi, va parler à nos pères qui va me donner en mariage et je serai ton épouse. Ça veut dire quoi? Il a vu, il a bien dit j'aime ma soeur. Mais il pouvait coucher avec elle parce qu'en ce temps, il y a des choses que Dieu laissait faire. Comme Abraham pouvait épouser Sarah qui était sa demi-sœur. Comme d'autres personnes, Rebecca et puis Jacob, c'était des gens qui étaient des cousins. Il y a des choses que Dieu permettait. Il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, là où nous sommes ici, c'est une protection qui vous donne une seule personne. Il vous donne le nom d'une seule personne qui allait devenir c'est une femme. Et puis après, elle allait payer la dot qui vous donne le nom de la personne. Alléluia! Ça veut dire que le monsieur n'a pas répondu à ma question. Regardez très bien. Attendez. Vous pensez que quoi? Le défi que vous avez lancé là, c'était venu me déconstruire. Mais c'est ça. Non, j'ai la parole maintenant. J'ai la parole. Le défi, c'était venu me déconstruire. Ça veut dire prouver que les doctrines que je dis aux prêches sont des fausses doctrines. À commencer par accoucher avec la femme avant de la doter. Moi, je pensais. Aujourd'hui. Ça veut dire que depuis que je parle là, le monsieur n'a pas entendu. Hein. Lui parle de ce type là qui allait coucher avec sa soeur. Mais ce n'est pas lui qui a refusé, mais c'est la femme, la fille qui a refusé. Sinon lui, son intention était d'aller coucher avec elle. Mais c'est la fille qui a refusé. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Alléluia. Amen. Vu que son frère était dans un mauvais esprit, et quel était ce mauvais état d'esprit? Parce que lui, qui est un juif, connaissant, être censé plutôt connaître la loi de Dieu. Qu'est-ce que la loi a dit? Lévitique 18, 9. Qu'est-ce que la loi avait dit? Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur. Ni de ton père. Ah.
vérité. C'est la vérité de Dieu. Oui. Même, il s'amuse. Moi, mon objectif, quand je sors pour faire mes campagnes d'évangélisation là, c'est pas pour confondre quelqu'un. Jamais. Mon objectif est de faire passer ce qui est écrit dans les Écritures pour que les enfants de Dieu voient clair. C'est et découvrent tout ce que vous leur faites de mal dans vos communautés. C'est mon objectif. Mais vous là, votre objectif, c'est de me ridiculiser. Oui. C'est pourquoi vous serez toujours pris dans votre propre piège. Alors, le défi que tu as lancé là, on maintient le défi. Toujours. Quel passage de la Bible contraire? Parce que, je dis, il y a des choses que les gens se sont levés pour faire. Simon Pierre, il est allé pêcher des poissons. Il n'a pas eu poisson. Jésus a dit, je te file ici. Simon l'a fait. Ça ne peut pas être une doctrine qu'on doit dire, le Seigneur a dit. Et cela doit être pratiqué au point que quand tu arrives en paix, en haute mer, et que tu ne vois pas poisson, il faut jeter filet. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit à Moïse, le lieu sur lequel tu tiens est un lieu saint, enlève tes chaussures, oui, que ça va devenir une loi au point que les gens enlèvent les chaussures pour se promener, aller adorer. C'est quoi nous disons, à bas les christianismes célestes. Ce n'est pas parce que l'Écriture a dit à Samson, il ne faut pas raser tes cheveux. Parce que c'est là mon alliance avec toi, que ça va devenir une doctrine au point que on va dire maintenant aux enfants de Dieu, ne coupez pas vos cheveux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a été dit à, comment il s'appelle là, Samuel, que depuis le sein maternel, ou encore l'autre côté, Élie, notre nouveau Élie là, c'est qui? Jean-Baptiste. Il ne doit pas rentrer dans sa bouche ni vin, ni ligueur, ni vrate, que cela doit devenir une doctrine au point de dire que tout croyant ne doit pas boire. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais la loi de Dieu qui est donnée, quand il a dit, tu ne tueras point, que ce soit le peuple ou le chef lui-même qui prononce cette parole, et tous ils sont soumis à ça. Voilà. Tu ne voleras point. Oui. C'est la loi de Dieu à la création tout entière. Si un homme, c'est une vierge qui n'est point fiancée, oui, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dérobe le bœuf, oui, ou bien l'animal de son prochain, oui, ce qui doit suivre. Mm. Donc ça là, moi il ne se bat contre le premier verset que tu as lu dans Exode 22. Je suis d'accord et je suis convaincu que c'est la loi de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris une partie dedans. Mm. Et toi tu me tasses de faux. Mm. Parce que dans ton esprit, il y a une doctrine que tu as inculquée, oui, dans ta loge, oui, et que ce qui te prêche te dérange. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que ça là, ce n'est pas une obligation. Il m'a demandé tout à l'heure de lui montrer un passage où un fils de Dieu, alléluia, amen, et aller déshabiller une femme, il a couché avec elle avant de payer sa dot. Donc ça veut dire quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aussi longtemps que je n'ai pas vu un passage, Pierre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Simon Pierre a cru et il a la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et Paul a cru dans la vie éternelle. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu ça, ce n'est pas la vérité de Dieu. C'est ça, mais ça, c'est du plagiat ou la fuite. Vous voulez fuir? Il ne va pas fuir. Alléluia. Alors, réalisons encore. Exode 22:16. Aussi longtemps que du soleil levé au soleil couchant, ce passage-là sera écrit, je triompherai toujours de vous. Oui. Si un homme. Séduit une vierge. Nous là, notre jugement dernier n'est pas lié à ce que les serviteurs de Dieu ont fait. Mais notre jugement dernier est lié à ce que Dieu a dit. Alléluia. Notre jugement dernier est lié à ce que Dieu a dit. De ce que Dieu a dit. Moïse, par exemple. Non. Alléluia. Écoutez bien ceci. 2 Samuel chapitre 8. Le monsieur est animé d'une mauvaise intention. 2 Samuel 12. Il est animé d'une mauvaise intention. Il voulait coucher avec sa soeur. C'est l'inceste. Alors son père David, connaissant la loi, la fille lui dit de parler à son père. Sachant très bien que son homme est un homme de loi. Son père est un homme de loi. Il sait ce qu'il va lui dire. C'est comme on dit, demander la croix des Juifs pour laisser passer Satan. C'est une façon à lui, à elle, de le ramener à l'autre.
Oui, frère. De Samuel 12, 7 à 8. Oui. Et Nathan dit à David. Écoutez très bien. Tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je t'ai oué pour roi sur Israël. Je t'ai oué pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Oui. J'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Dans ton sein. Les femmes de ton maître. Il y a eu d'autres. Là, là, c'est Dieu qui me, Dieu lui-même qui donne. J'ai placé dans ton sein, moi, l'Éternel. Quand juste fini de doter ces femmes-là, parce que c'est Dieu lui-même qui donne. Parce que si d'autres n'ont pas précédé, qu'on prend, c'est Satan. Mais qui fait ça ici? Et Nathan dit à David. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, frère. Alléluia. Amen. Vas-y. Et Nathan dit à David. On va terminer le passage. Allons montrer un texte là aujourd'hui. Aïe. Verset que. On est de l'embrouiller là. Donnez-le le verset où il est dit. Si un homme couche, ou bien si un homme perd la dot, une femme après l'avoir aimé, il doit la prendre pour femme. Montre pas ça là. Oui. Et Nathan dit à David. Oui. Tu es cet homme là. Vous pour vous dire que moi le verset est donné, c'est conditionné. Vous là, pour vous là, ne mettez même pas condition. Voilà. Bon, un homme qui a aimé une femme, il l'a doté, il n'a qu'à aller maintenant coucher avec elle. Enlevez si même. Pas condition ou condition. Oui. Et Nathan dit à David. Nathan dit à David. Tu es cet homme là. Tu es cet homme là. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Oui. Je t'ai oué pour roi sur Israël. Je t'ai oué pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. J'ai placé dans ton sein. Les femmes de ton maître. Ah. Et si cela eût été peu. Si cela eût été peu. J'aurais encore ajouté. Fallait passer la commande. Pourquoi vive la polygamie. Vive la polygamie. Pourquoi as-tu méprisé. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait en méprisant la parole de l'Éternel? En faisant ce qui est mal à ses yeux. En faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as tué Uri le Hétien. Tu as tué Uri le Hétien. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Tu as fait ta femme. Qu'est-ce que David a fait? Tu as pris sa femme, la femme d'Uri. Tu as pris sa femme. Tu as fait ta femme. Est-ce qu'il y a eu d'autres? La suite. Non, monsieur. Monsieur, la, oui, lisons le suite là. Tu as pris sa femme. La suite même là. Ça nous, alléluia. Amen. La suite. Non, on va lire la suite, ça nous arrange même. Alléluia. Amen. C'est grâce à la suite là que Jésus est venu et on est là aujourd'hui. Amen. Puisque c'est de cette union là que Jésus est né. Ça nous arrange très bien puisque c'est de la mère de Salomon qu'il est question. Le fils de la promesse qui a bâti le temple de Dieu. Et la gloire de Dieu est descendue. Amen. Tu vas nous dire quoi? Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Pour en faire ta femme. Pour en faire ta femme. J'ai dit. Et lui. Tu l'as tué. Et tu l'as tué. Par l'épée d'un fils d'Amon. Donc le Seigneur reproche à David ici d'avoir tué le monsieur et d'avoir pris sa femme. Parce qu'il a dit, tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Alors la loi de Dieu que Dieu a condamnée là, c'est le fait de ne pas. Le fait de tuer le monsieur et d'arracher sa femme. Mais le fait de faire d'elle sa femme, sans notion de dot là, l'écriture n'a pas dit, tu as pris Uriah, tu n'as pas payé la dot et sa femme est devenue ta femme. Attends. Je dis de montrer un passage où il est dit d'aller d'abord doter la femme, où Dieu a dit de doter la femme avant de coucher avec elle. Si tu n'as pas ce passage, on passe au suivant, sur la liste. Dans le verset, c'est tout. Il a dit, tout à l'heure, il a dit. Quand les gars parlent, c'est ça qui est. Autant vous avez du respect pour lui, autant vous avez du respect pour lui. Ouais, voilà, c'est comme ça. Tout à l'heure, il a dit, quand on dit, pour le Seigneur Jésus, tu auras la vie, est-ce qu'on a écrit que Simon Pierre est parti d'abord? Lui, il a fait ressortir ça, que c'est pas tout qui est dedans. Mais est-ce que l'écriture a fait ressortir que ta vie est utilisée le cheminement? Or, oh, Deutéronome chapitre 17 dit que le roi n'est pas beaucoup de femmes. Dieu avait déjà dit ça. On va lire.
17. Hein? Qui n'est pas un grand homme. Que le roi. Qui n'est pas un grand homme. Que le roi n'est pas un grand homme de femmes. Mais est-ce que David n'a pas eu beaucoup de femmes? Grand homme. Parce que Salomon n'a pas eu beaucoup de femmes. Non, c'est pour vous dire. Il y a les choses que Dieu a interdit et eux, ils sont faits. Alléluia. Donc c'est ce passage. Avant de partir, tu ne dois pas partir comme ça. Tu dois pas. Il a dit. Alléluia. La question de fond là. La question de fond n'est pas de savoir si les rois doivent avoir beaucoup de femmes. S'il vous plaît. Il veut fuir. La question de fond là. Aïe. Il a dit. Ah bon? Parce que ces gars, ça va, il veut partir. Tu vas donner le passage d'abord. Regardez, le roi David, avant de pousser sa première femme. Ce que le mari, le père de la vie va lui imposer comme note. Faut prendre. 1 Samuel chapitre 18. Mais tu as lu un passage. Mais j'ai vraiment lu un passage. Mais il a été clair, j'ai dit un passage, un passage. J'ai dit un passage, un passage. J'ai dit un passage, un passage. Alléluia. La question qui veut détourner là, je vais la ramener sur la table. C'est la question qui t'envoie ici là, n'est pas de savoir si le roi a le droit ou pas d'avoir beaucoup de femmes. Mais la question là, est-ce qu'un homme, avant de prendre la femme pour coucher avec elle, il doit payer la dot et la cérémonie avant de l'envoyer chez lui? J'ai dit de montrer le passage. Ok, ça va arrêter là. C'est tout ce que on va pas finir ce regarder. Parce que n'est pas de suivi. Aussi bon. Ça vous paraît que aujourd'hui, on était sur la loi. Jean chapitre 1, le verset 17 dit que la grâce, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Maintenant, celle-ci est venue. Et il parle des Écritures, nous parlons des Écritures. La Bible dit, fuyez la publicité, Corinthiens chapitre 6, verset 18. La parole dit, pour éviter la publicité, que chacun se marie. Or, pour te marier, tu dois aller te présenter pour une fille, tu vas chez ses parents et tu payes. Le premier mariage du roi David, écoutez, écoutez. Maintenant, moi, mes oreilles dit, il n'a qu'à me montrer un homme de Dieu dans la Bible qui est allé me coucher avec une femme vierge et puis d'abord, avant de payer la dot, il va me montrer aussi. Alléluia. Amen. C'est la prostituée qui n'a pas payé. Regardez bien. Vous voyez. Voici la ruse et le mal. Tout à l'heure, dans son introduction, il a été clair qu'on doit faire les cérémoniels. Et il a même parlé de festin. Et après ça, maintenant, on va prendre la femme pour aller la déshabiller. La question que je pose, il m'a retourné la question pour dire de montrer un serviteur de Dieu qui a pris une vierge et qui a couché avec elle avant de payer la dot. La question que j'ai soulevée jusqu'à cette heure-là, je reprends quoi? Je dis, si un homme veut une femme là, il doit d'abord, je reprends ce qu'il a dit, c'est lui qui a limité uniquement la chose sur affaire de vierge. Ma déclaration est toujours présente sur les vidéos. Je dis, entre les rapports sexuels et les cérémonies, qu'est-ce qui vient premièrement selon la loi? Voici la question. Voici mon exposé que j'ai fait depuis toujours. Et l'exposé que je ferai jusqu'à présent. Et je fais encore, c'est ça.
entre les rapports sexuels et les cérémonies du mariage, qu'est-ce qui vient premièrement selon la loi de Dieu? La loi de Dieu dit, ce sont les rapports sexuels. Le monsieur dit, c'est du faux. Alléluia. Quand il parle de David, 1 Samuel chapitre 18. Quand il parle de David, est-ce que alléluia, est-ce que silence, est-ce que ce que David a fait là, est-ce que ce que David a fait est une recommandation divine? Question. Regardez très bien. Sans ce bruit. Sans ce bruit. Jusqu'à cette heure, il a parlé, le défi qu'il était venu lancer, il n'a pas pu. Parce que. Salomon a sa mille femmes. Si ça peut vous aider encore. Si ça peut vous aider encore, lisons le cas de Salomon. 1 roi 11, premier. Parce que pour lui, il faut cérémonie. Oui, frère. Le roi Salomon. Le roi Salomon. Le roi Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Aima beaucoup de femmes. Salomon eut 700 princesses pour femmes. Il a eu 700 princesses pour femmes. Et 300 concubines. Bon, où est la cérémonie qu'il a faite avant de les prendre? Quittez là-bas. Au suivant. C'est un plaisir. S'il vous plaît. Le monsieur dit avoir deux préoccupations. En sa qualité de chrétien, selon lui. J'ai été choqué. Il dit avoir été choqué. Il y a trop eu de cela. Il y a un ami qui m'a appelé, il m'a montré trois bibles différentes. Trois bibles. Il avait été choqué. Différentes. Il a découvert trois bibles différentes. Moi, je sais qu'il y a la sainte Bible que j'ai lue. Il sait qu'il y a la sainte Bible. Bible catholique et une autre Bible, les témoins de Jéhovah. Et je suis venu devant vous. Après, ma première question. Pour savoir, en un chrétien, c'est laquelle des trois bibles favorables pour un chrétien? Comme je n'ai pas vu la Bible qui vous a envoyé, sinon où moi je suis là? Tu as vu tout à l'heure quand je parlais avec le monsieur, je lui demandais juste de donner ne serait-ce qu'une preuve biblique, que ce soit dehors ou devant Ancien ou Nouveau Testament.
Je n'ai pas de problème de tradition ou de version biblique. Pourvu que ce que vous développez comme théorie soit fondé publiquement. Vous comprenez? Alors, vu votre niveau, je vous conseillerais la Bible Scofield. Scofield ou bien Louis II, version courante. Ça peut un peu aider votre connaissance ou compréhension des choses. Vu que vous n'êtes pas encore chrétien, voilà. La deuxième, j'aimerais savoir quand on dit Satan a incité Ève à manger la pomme avec Adam. J'aimerais savoir si. On m'a enseigné que Satan a mangé la pomme d'abord avec Ève avant d'inciter Ève à aller manger la pomme avec Adam. J'aimerais savoir le rôle de Satan dans cette histoire, c'était quoi? Le rôle de qui? Satan. Qui t'a raconté cette histoire de pomme, même? S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je crois quand même que nous sommes entre nous des civilisés. Et cette rencontre a été organisée par des responsables. Ne vous comportez pas en des gens qui ont un comportement fait de temps reculé. La seule façon, vous voyez très bien, le monsieur, il n'était pas d'accord avec ce qu'on disait. Il est venu, lui a donné le temps d'expliquer ce qu'il dit. Si vous aussi, vous avez des points de vue divergents, vous pouvez venir et mettre votre nom pour prouver ce que vous dites. Si parmi vous, certains ont des preuves, puisque le dernier passage sur lequel on s'est arrêté pour la dire de quitter, puisqu'il n'a pas donné, Salomon a marié 1000 femmes sans la notion de cérémonie et de dot. Sans même parler de leur état sexuel, si elles sont vierges ou pas. Il a marié en ordre et en désordre, sans parler de cérémonie. Alors si quelqu'un a un cas contraire à ça, il n'est qu'à venir dans le calme et va lire les Écritures. C'est ce que nous voulons. Alors, pour revenir à la question du frère, cette histoire de pommes, nous ne croyons pas qu'ils aient mangé pommes en Éden. Ils n'ont pas mangé pommes. L'acte qui a été condamné par Dieu, c'est la désobéissance à Dieu que le Seigneur a condamné chez Adam et chez Ève. Parce que le Seigneur les a interdits d'une voie et ils ont emprunté cette voie-là. C'est ce qui a été interdit. Et à la suite, là-bas, il y a un acte qui a été posé. Sinon, l'acte lui-même qu'ils ont posé, pour lequel Dieu les a jugés, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Ce n'était pas le fait qu'ils ont mangé quelque chose devant là-bas. Vous comprenez? Voilà. Oh, s'il vous plaît, taisez-vous, on va écouter sa question. Elle est trouble faite dedans. Je vais essayer de parler fort. Donc, avant que le monsieur a parlé de religion, donc le monsieur il a dit qui suit la religion ira en enfer. Donc, la première question, c'est de savoir en clair c'est quoi la religion. Attends un peu, frère. S'ils ont fini de parler, on va continuer. Donc le monsieur il a dit qui suit la religion sont un instant. Oui. Ok. Donc je répète, il a dit qui suit la religion ira en enfer. Je veux savoir avant de continuer, qu'est-ce que la religion? La religion, c'est l'ensemble des pratiques que un être ou des êtres humains mettent sur pied pour être agréable à Dieu dans le souci de un jour regagner le ciel. Donc la religion, c'est parce que ça a été mis en place par des hommes. Voilà. Or le christianisme, c'est la voie de Dieu vers l'humain. C'est ça. C'est la voie de Dieu vers l'humain. Et Dieu se connaissant très bien, c'est tout l'être humain. C'est lui qui est mieux placé pour venir à notre recherche. Luc chapitre 19, le verset 10. Luc 19, 10. Oui. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean 15, le verset 15 à 17. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était
perdu. Donc c'est lui qui est mieux placé pour venir vers nous et nous ramener à lui. Nous ne connaissons pas la voie de là où il se trouve. Nous ne pouvons faire aucun effort pour le retrouver un jour. Ça serait véritablement la folie. Et tous ceux qui se livrent à de telles pratiques, ça serait un succès. Oui ? Jean 15, 16 à 17. Hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Donc il n'était pas question que l'être humain fasse un effort pour aller vers Dieu. Mais c'est Dieu qui se déplace pour venir vers l'être humain. S'il vous plaît, les gars. Si vous constatez que vous voulez qu'on parte d'ici, de votre quartier, on va retourner simplement sans bruit. Parce que je ne veux pas que cette image sauvage de l'Afrique soit affichée dans mes campagnes d'évangélisation. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que quand on voit l'homme noir africain, pour lui c'est un barbare, un inconscient, un idiot. Je ne veux pas que cela soit dans mes campagnes d'évangélisation. Je ne sais pas. Si vous n'êtes pas d'accord, venez dans les conditions et puis exposez votre point de vue. C'est simple. Vos pasteurs vous ont parlé, c'est le moment de faire un bilan. Vous avez tchatché sur Facebook, fait des commandes bidons, c'est maintenant de nous attester qu'on a fait du faux partout et que ici, là, vous allez mettre fin à ça. C'est simple que ça. C'est quoi ce bruit? Oui, vous pouvez continuer, frère. Le christianisme vient de crise. Le christianisme, ça a été très... Non, frère, c'est pas vrai. Non, je demande juste. Oh, ok. Le christianisme, c'est l'idéologie. Parce que le mot isme, c'est la définition, c'est idéologie. Isme, c'est idéologie, doctrine, enseignement 2. Vous comprenez? Donc, christianisme, c'est la doctrine, l'idéologie, l'enseignement de Christ. Donc, Christ ne peut pas exister et sa doctrine va lui être antérieure ou extérieure. Non, c'est pas vrai. C'est Christ lui-même, son idéologie qu'il a laissée, son idéologie qu'il a donnée qui est christianisme. Donc ça a commencé du temps où Jésus a ouvert la bouche. Ce que je veux dire, c'est que son idéologie était perpétuée après lui. Mais c'est le jour, ça dit son idéologie est née le jour où il a ouvert la bouche. Oui, c'est vrai. Voilà. En fait, c'est après lui que des hommes ont continué le christianisme. Effectivement, comme l'oufétisme continue après la mort du feu Boigny. Je dis, c'est la même chose comme l'oufétisme qui continue après la mort du feu Boigny. Cependant, l'oufétisme, c'est l'idéologie qui a daté à partir du moment où Oufou a commencé à parler. Ce que je veux faire passer comme message, c'est que le fait de parler de religion, on parle à la mort, le christianisme, d'après ce que vous avez dit, c'est l'idéologie de Christ après Christ, fabriquée par les hommes. Donc le christianisme est aussi une religion. Que vous avez dit, pourquoi vous dites que c'est après Christ? Parce que quand il était là, est-ce qu'on parlait de christianisme? Est-ce que, quand vous parlez de, on parlait de christianisme là, c'est l'appellation qui n'existait pas, sinon le christianisme était là. C'est l'appellation, le mot christianisme. Mais après lui, est-ce que le christianisme a cessé? Laissez-moi terminer, monsieur. Il a donné l'ordre, Matthieu 28, le verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Marc chapitre 16 aussi. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Vous voyez maintenant. Et enseignez-leur. À observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est une recommandation du Seigneur. Vous comprenez? Luc chapitre 16. Marc 16, 15 à 16. Matthieu 28, du 19 à 20. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Excusez, qui a recommandé? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites que ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit vont aller où? Donc, laisse le christianisme là d'abord. Je réponds ma question. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on traite le problème, l'équation de Père, Fils, Saint-Esprit, ou qu'on finisse d'abord de cette histoire de christianisme? Excusez-moi, je suis parti. Donc on fait quoi? On continue sur le christianisme. Ok. Ce sarcasme-là, je ne sais pas, c'est dû à quoi? Alors, à chaque fois qu'il aura des singeries, il va avoir aussi des écorchures. C'est comme ça qu'il faut redresser le noir. Oui,
Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Donc, c'est son idéologie qui demande maintenant à ses disciples de perpétrer. Ça veut dire que de son vivant, cette idéologie était là. Donc il la lègue, il la donne, il la confère à ses disciples qui doivent la, c'est-à-dire qu'ils doivent l'éterniser. Vous comprenez? Ils doivent la pérenniser dans la suite des temps. Et c'est ce qui a été jusqu'à nous aujourd'hui. À qui est-ce qu'il a marqué ça? C'est à ses disciples, non? Ce n'est pas seulement à ses disciples. Parce que dans la recommandation qui a été faite à ses disciples, et... on va lire d'abord Marc là. Marc 16, 15 à 16. Et Jean chapitre 17. Oui. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui croira. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Vous comprenez? Oui. Mais celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera condamné. Donc il a donné l'ordre à ses disciples. Et conformément à ses enseignements, ses disciples devaient suivre leurs enseignements et doivent pérenniser cela. Jean 17, 20. Maintenant, ce qui concerne, est-ce à ses disciples? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Oui? Jean 17, 20. Jean 17, 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore. Mais encore. Pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il n'était pas question de ceux qui étaient avec lui là, seulement dans le coin. Mais l'ensemble de tous ceux qui croiront en lui par la parole. Voilà. Amen. Donc ça s'étend à toute la terre. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? En fait, je voulais venir justement à la question, c'est est-ce que le christianisme, c'est une religion? Le christianisme? Oui. Dans la mesure où isme, c'est l'idéologie, une idéologie ne peut pas être une religion. C'est pas une religion. Non, c'est pas une religion, puisque regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Je suis le chemin. Alléluia. Mais pourquoi vous voulez qu'il y ait une question qui va nous caler? Donc vous, votre souhait là, c'est qu'on soit humilié. Alors que notre souci, c'est de vous faire connaître ce qu'on sait. C'est pourquoi Dieu ne peut pas faire prospérer ce que vous pensez. C'est ça. Nous triompherons de tout ce que vous allez faire. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y frère. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Il n'a pas dit une religion. Il est le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Donc le christianisme, c'est la vérité de Christ qui doit être enseignée dans le monde. Amen. Donc ce n'est pas une religion. C'est le catholicisme romain qui a mis sur pied une stratégie d'assoupissement de l'Afrique et des Noirs et du monde entier à travers la religion, qui est le romanisme replâtré, qui est l'idéologie, la pensée, l'organisation et le système d'escroquerie et d'exploitation des Romains. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Déjà un autre. Oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Elle ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. N'a point Dieu. Dans la doctrine de Christ. Mais celui qui demeure dans cette doctrine. C'est bon frère, il n'a pas dit la religion. Pas, non, mais la doctrine de Christ. Amen. Ok, merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Le baptême là, c'est une opération. Carabaro, laisse-le. Laisse-le. Je pensais qu'ils allaient partir à leur prophète pour qu'ils les baptisent. Vous voyez, quand le Seigneur a dit baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, c'est une recommandation. Mais la recommandation a besoin d'être décryptée, d'être démystifiée, pour que ceux qui doivent l'exécuter ne se trompent pas. Vous comprenez, frère? Dans Luc 24, à partir du verset 45 à 48, regardez ce que l'Écriture dit. Luc 24, 45 à 48. Oui. Alors Jésus. Alors Jésus. Leur ouvrit l'esprit. Donc pour comprendre ce passé, il faut que le Seigneur ouvre ton esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà. Et il l'a dit. Il l'a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ. Que le Christ. Souffrirait. Souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance. La repentance. Et le pardon des péchés. Le baptême là. Serait prêché en son nom. Il ne dit plus maintenant au nom du Père, Fils,
Saint-Esprit. Il est en train de leur montrer que la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom. C'est pourquoi ceux à qui il a donné l'ordre d'aller baptiser, et tous sont allés baptiser, et ils ont bien compris ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi... Qu'est-ce qu'il a changé son ordre? Rien n'a changé. Il a dit qu'on allait se repentir en son nom. Est-ce qu'il a dit, parce qu'on doit se repentir en son nom, on doit plus baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce n'est pas ce qu'il a dit, monsieur. Bien entendu, le baptême doit être fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas dans les titres, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que c'est dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que le baptême doit être fait. Or, dans vos communautés, les gens baptisent là-bas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Au point de dire... Que c'est des titres, alors qu'ils disent qu'ils sont baptisés dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Mais vous, vous soutenez et tenez que c'est juste des titres. Le Père n'est pas un nom. Si vous avez un enfant, oui. Vous êtes un père, monsieur. Le Père n'a pas un nom, mais c'est ce même nom. Non, le Père n'est pas un nom. Je n'ai pas dit n'a pas un nom. Le Père n'est pas un nom. D'accord, le verbe être, je parle du verbe d'état. D'accord. Pas possession, avoir, voilà. D'accord. Merci, monsieur. Donc, le Père n'est pas un nom, mais c'est une filiation, d'accord. Un attribut. Fils aussi n'est pas non. Où je suis là, il y a un père, donc je suis son fils. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, ce n'est pas aussi son nom, mais c'est sa nature. Il est saint de nature. Mais quel est son nom? C'est dans son nom-là. Dans le nom de celui qui est père. Ce que le baptême doit être fait. Acte chapitre 2. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Il dit à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères. Pierre, qui était considéré comme le majeur de tous ces croyants primitifs, le porte-parole en question, l'aîné de tous ces croyants, de ces chrétiens-là à l'état primitif. Regardez très bien. Hommes frères. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit. Repentez-vous. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a dit ça? Pour le pardon des péchés. Qui a dit ça? C'est Pierre. Répète. Oui, c'est Pierre. C'est Pierre, mais on parle de Jésus ou on parle de Pierre? Aïe. Jésus a dit ça. S'il vous plaît. Je comprends aisément notre frère. C'est pas facile. Une chose à laquelle tu es habitué durant des années, un coup comme ça, tu peux ne pas rejeter ça. Il a raison de croire ainsi. Mais jusqu'à cette heure, cette théorie existe encore. Même à l'école primaire, quand on envoie les enfants à l'école, il y a le carnet d'adresse que on envoie aux parents pour remplir. Il y a le carnet d'adresse ou bien le carnet de correspondance qu'on envoie aux parents pour remplir. On met nom du père, nom de la mère, nom de l'élève, on met nom du maître et aussi la classe. Vous comprenez? Quand ils mettent nom du père, le parent qui doit remplir là, lui, il ne recopie pas textuellement le test. Nom du père aussi. C'est ça. Il met son nom. Quand on a un chèque qui doit passer à la banque, au guichetier, qu'est-ce qu'on dit? On dit, va faire retrait, je te donne un chèque à mon nom. Toi, tu arrives devant le guichetier, tu dis, je viens faire retrait au nom de mon père. C'est pas ça qui va passer sur le chèque. Le chèque t'a été donné par ton père. Mais quel est le nom de ton père? C'est son nom-là qu'on doit regarder et puis ça passe. C'est pourquoi la Bible dit tout genou fléchit devant le nom, pas du Père, Fils, Saint-Esprit, mais devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout doit être fait. Tout doit être fait. Colossiens 3, le verset 17. Colossiens 3, 17. Oui. Et quoi que vous fassiez. En parole. Ou en œuvre. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas d'accord avec ce que Pierre a fait, il n'allait pas attester, apporter son sceau. Son approbation dans ce que Simon Pierre fait par les miracles et les guérisons et les signes spectaculaires. C'est parce que ce qu'il faisait là était juste. Et Simon Pierre a bien compris ce que le Seigneur lui a dit. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez,
Et quoi que vous fassiez, en parole, en parole, ou en œuvre, faites tout. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas au nom du Père, Fils et Esprit. Moi, je ne suis pas contre que Dieu soit Père. Je ne suis pas contre que notre Dieu s'est fait homme à la personne de Jésus, Fils. Je ne suis pas contre que le Seigneur soit le Saint-Esprit. Mais quel est son nom? C'est ça qui est Jésus-Christ. Nous ne confondons pas les attributs, les filiations, les fonctions et l'identité propre d'un individu. Ah oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Sur ce, que Dieu garde l'Afrique et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Au revoir.